Donc ce sont les mots clés qui sont juste ici là que cet utilisateur a utilisé pour pouvoir avoir des millions de vues. Donc ce que je vais faire, je vais juste m'inspirer de ces mots clés là et prendre quelques de ces mots clés et les utiliser sur ma chaîne. So, on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, le métier de YouTuber commence maintenant à être vraiment accepté partout dans le monde entier. Enfin, pas trop en Afrique, mais dans l'Occident, dans les pays d'Europe, d'Amérique, c'est beaucoup plus normal maintenant de vivre de sa passion, de faire des vidéos. C'est fou, mais c'est le cas en ce moment. Et beaucoup ont cette idée-là de se dire qu'il faut des millions d'abonnés sur YouTube pour pouvoir vraiment vivre de ça, alors que c'est pas le cas, c'est vraiment pas le cas. Je prends exemple sur moi, ça fait, je crois maintenant, 19 jours que ma chaîne YouTube est monétisée. Et croyez-moi, en ces 19 jours là, j'ai déjà gagné assez d'argent. Je ferai bientôt même une vidéo sur combien j'ai gagné dans mon premier mois de monétisation YouTube. Et je vous expliquerai un peu comment la monétisation ça marche, les différents paramètres, tout ça. Donc restez branchés pour cette vidéo là. Et aussi pour ceux qui pensent qu'il est trop tard pour se lancer sur YouTube, soi-disant parce qu'il y a déjà des millions de personnes qui font des vidéos et que ça sera trop difficile pour toi de te démarquer, sache que ce n'est pas le cas. Au contraire, tu as vraiment la chance de te lancer aujourd'hui car tu vois déjà les autres YouTubeurs, tu vois déjà ce qui marche et tu essaies d'adapter ça à ton contenu. Tu peux même apprendre des erreurs des autres youtubeurs et éviter de faire ce que certains font et ça marche pas, tu vois. Donc c'est encore plus facile pour toi aujourd'hui de débuter sur YouTube. Et pour prendre exemple sur moi, j'ai posté ma première vidéo il y a 7 mois aujourd'hui. Au cours de ces 7 mois là, j'ai pu atteindre maintenant 22 000 abonnés grâce à des petites techniques d'optimisation que je vais partager au fur et à mesure car je ferai plusieurs vidéos. Dans cette vidéo là, je vais essayer de vous donner des conseils sur comment démarrer une chaîne YouTube et comment réussir sur YouTube pour être un youtubeur à succès et pourquoi pas vivre de ça en tant que votre principale source de revenus. Déjà, avant de commencer, enlève-toi dans la tête que c'est facile d'être youtubeur. Il suffit juste de faire 2-3 vidéos par semaine et tu gagnes beaucoup d'argent, tu vis la belle vie. Non, c'est pas le cas. Être youtubeur, c'est énormément de travail. Cette vidéo là en elle seule, elle m'a pris déjà 3 heures pour écrire le script et écrire le texte que je vais dire dans la vidéo, car bien évidemment je ne viens pas m'asseoir comme un robot comme ça et commencer à parler. Non, pour être plus efficace à l'avance, j'écris un script où j'écris des notes pour essayer d'avoir une ligne directrice de ce dont je vais parler dans mes vidéos. Pour cette vidéo là seulement, ça m'a pris jusqu'à 3 heures pour écrire le texte et filmer la vidéo. Ensuite, le montage, c'est 5 à 6 heures de montage, tu vois ce que je veux dire. Être youtubeur, c'est beaucoup de travail, tu vois. C'est facile pour vous de regarder une vidéo de 15 minutes ou de 10 minutes, mais cette vidéo là, dites-vous qu'elle a pris des jours, voire peut-être des semaines pour certaines vidéos. Donc c'est énormément de travail. Vraiment, si tu veux te lancer sur YouTube, tu dois voir YouTube comme un business parce que tu vas devoir gérer la comptabilité, gérer les dépenses liées à ta chaîne. Aussi, arrive un moment quand tu vas faire beaucoup d'argent, tu vas devoir chercher à déclarer ton business, tu vois, pour payer les impôts en fonction du pays dans lequel où tu vis. Tu vas devoir aussi penser au marketing, comment tu vas promouvoir le contenu que tu crées pour pouvoir toucher une plus grande audience. Sauf si tu comptes te lancer toi seul, avant que tu te lances, je tiens à te dire que tu vas devoir faire tout ça toi seul et que c'est énormément de travail. Sauf si tu penses que tu n'as pas le temps de pouvoir gérer tout ça, alors YouTube n'est peut-être pas la solution pour toi. Mais par contre, si tu penses que tu es déterminé, que tu es prêt à vraiment surmonter toutes les épreuves de cette aventure, alors n'hésite pas et lance-toi tout de suite. Et quand je dis tout de suite, c'est-à-dire après la vidéo. Donc tu attends de regarder toute la vidéo et ensuite tu pourras te lancer sur YouTube. Avant de te lancer sur YouTube, tu dois te poser cette question: quel genre de vidéo je veux faire? Je me souviens que moi, la première chaîne que j'ai voulu lancer, c'était une chaîne sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Du coup, je me souviens de la première vidéo que je voulais faire pour cette chaîne là donc j'ai fait plein de recherches sur la vie d'Oufoué Boigny, feu Oufoué Boigny. Je voulais faire une vidéo top 10 des faits les plus intéressants sur Oufoué Boigny, tu vois. Quand j'ai fini de faire les recherches et j'essayais de faire la vidéo, je sentais comme si je me forçais pour faire la vidéo, tu vois. Donc je le sentais pas, j'ai juste arrêté, j'ai abandonné cette idée là, tu vois. Et moi, je suis une personne, j'adore parler business, que ce soit avec mes amis, ma famille, je parle tout le temps business, que ce soit à faire de l'argent en ligne, comment je gagne de l'argent, mes idées de business, tout ça. Du coup, c'est naturellement qu'un jour je me suis dit, mais attends, pourquoi pas faire une chaîne YouTube où je parle juste de business, faire de l'argent en ligne, des idées de business en général, tu vois, puisque c'est ça qui me passionne, je parle de ça tout le temps. Donc j'ai eu ce déclic là et c'est là que j'ai fait ma première vidéo sur user testing et ça a plutôt bien marché. Et du coup, j'ai continué dans cette lancée quoi. Si vous voulez vous lancer sur YouTube et que vous vous demandez quel genre, quel type de vidéo je vais faire, posez-vous la question, mais quels sont mes centres d'intérêt, de quoi je parle tous les jours, tu vois. Et juste faites une chaîne à propos de ça et ça sera beaucoup plus facile pour vous et ça sera plus naturel quoi, parce que ça se verra dans vos vidéos que vous parlez de quelque chose qui vous passionne et l'audience sentira que c'est vraiment naturel et que vous ne vous forcez pas à le faire. Et donc le type de vidéo que vous allez faire, ça sera votre niche. Moi par exemple, ma niche, c'est la niche de finance, tu vois. On parle un peu d'argent, business,
disons finance ou business, tu vois. Et un conseil que je peux vous donner, lorsque vous choisissez le nom de votre chaîne YouTube, essayez d'incorporer un mot-clé de votre niche dans le nom de votre chaîne. Par exemple, si tu t'appelles Paul et que tu veux faire une chaîne sur le bricolage, le nom de ta chaîne YouTube, ça peut être Paul le bricoleur ou Paul fait du bricolage, un truc comme ça. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que sur YouTube, les mots-clés sont très importants. Car c'est grâce à ça que les gens verront vos vidéos. Par exemple, si tu t'appelles Paul, que ta chaîne c'est Paul le bricoleur, si quelqu'un tape sur YouTube bricolage ou bricoleur, il y a des fortes chances que ta chaîne YouTube sorte dans les recherches. Donc les mots-clés sont très importants. Essayez d'incorporer un mot-clé de votre niche dans le nom de votre chaîne. Tout ça, ça aidera votre chaîne à gagner des abonnés plus rapidement et à gagner des vues plus rapidement. Maintenant, en ce qui concerne le fait d'être à l'aise devant une caméra, vous savez, ça vient avec le temps, tu vois. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant, tu vois. Donc moi, quand vous regardez mes premières vidéos et que vous regardez cette vidéo là, vous voyez bien que j'ai fait des efforts, que je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui, que je parle beaucoup mieux devant un micro, devant la caméra, je fixe bien la caméra. Donc vous voyez une amélioration. Donc c'est avec le temps que ça viendra. Bien évidemment, vos premières vidéos, elles seront nulles, vous n'allez pas aimer vos premières vidéos, mais avec le temps, vous verrez que vous vous améliorerez. C'est juste une question de pratique et de patience et de persévérance surtout. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment YouTube fonctionne, histoire d'avoir une vue d'ensemble un peu sur YouTube avant que vous puissiez vous lancer. Ça sera juste une vision générale de comment YouTube fonctionne. Je ferai des vidéos détaillées sur chaque partie, donc n'hésite pas de t'abonner là maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous ai déjà expliqué dans la vidéo qui s'affiche ici comment créer votre chaîne YouTube. Donc là, on considère que tu as déjà créé ta chaîne YouTube. Donc on va aller sur YouTube. Là, c'est la page d'accueil de YouTube. Tu cliques ici sur ta photo, tu viens dans ma chaîne et là c'est la page d'accueil de ta chaîne, tu vois. Si tu viens de débuter, tu auras aucune vidéo ici. Donc là c'est ta chaîne et la première chose que tu veux faire lorsque tu crées ta chaîne YouTube, c'est de mettre une photo de profil et de mettre une bannière. Donc c'est très important de mettre une belle photo de profil et une belle bannière. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai un tuto sur comment créer une bannière YouTube, comment faire une intro YouTube pour ta chaîne YouTube. Ça sera pour une prochaine vidéo. Ensuite, tu vas aller dans la section à propos. Ici, tu pourras rajouter une description de ta chaîne. C'est très important aussi. Tu pourras aussi rajouter tes liens Instagram et Facebook en bas ici. Ensuite, tu vas maintenant cliquer sur ta photo encore et aller dans YouTube Studio. Et qu'est-ce que YouTube Studio? C'est l'une vraiment des parties les plus importantes de YouTube. C'est là où tu verras toutes les statistiques à propos de ta chaîne, à propos de tes vidéos, combien de vues tu as fait, comment ta chaîne évolue en fonction des mois, en fonction des jours, en fonction des semaines. C'est là que tu verras toutes les statistiques importantes à propos de ta chaîne YouTube. Là maintenant, je vais vous montrer comment publier une vidéo sur YouTube. Pour publier une vidéo sur YouTube, tu cliques juste ici sur le bouton créer et tu as pu importer des vidéos. Et là, tu choisiras le fichier de la vidéo dans ton ordinateur et tu pourras upload la vidéo. C'est aussi simple que ça. Enfin, je dis que c'est ça, mais c'est pas vraiment simple parce que il suffit pas juste de publier la vidéo sur YouTube. Il y a beaucoup d'autres détails qui rentrent en compte lorsque tu dois publier une vidéo YouTube. So, on va maintenant aller par exemple dans l'une des dernières vidéos que j'ai publiées, la vidéo sur le e-commerce par exemple. So, lorsque tu publies une vidéo YouTube, bien évidemment, il y a le titre, tu dois mettre un titre, tu dois mettre une description bien détaillée, tu dois mettre aussi une miniature. La miniature de la vidéo, c'est la photo que les gens verront avant de cliquer sur ta vidéo. Ensuite, tu dois aussi ajouter des mots-clés. Et les mots-clés, ils sont très 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 importants sur YouTube car c'est grâce aux mots-clés que les gens pourront retrouver tes vidéos. Ce sont les mots-clés que les gens vont ensuite taper sur YouTube et tes vidéos vont apparaître. So, les mots-clés, ils sont très importants. C'est à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir publier une vidéo sur YouTube. Bien évidemment, les premières vidéos que vous allez publier vont pas faire des milliers de vues quoi. Ça vous prendra du temps pour vous adapter, pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et en fonction des erreurs que vous allez faire, vous allez améliorer votre contenu. Ça sera jamais parfait parce que rien n'est parfait. Mais avec le temps, vous allez vous améliorer. Donc ne vous attendez pas à, dès la première vidéo, direct 1 million de vues. Ça n'arrive presque jamais. En fait, presque jamais. Il y en a des youtubeurs qui le font, mais ne comptent pas faire des milliers de vues dès la première vidéo. Vous pouvez aussi trouver d'autres vidéos sur YouTube sur comment démarrer une chaîne YouTube, quelles sont les stratégies à adopter pour pouvoir réussir sur YouTube. Moi, personnellement, j'en ai regardé énormément de ce genre de vidéos et je continue d'en regarder tous les jours car on ne finit jamais d'apprendre. Maintenant que tu sais tout ça, il est l'heure de passer à l'action. Avant de passer à l'action, je veux que vous vous posiez 2 questions. Première question, qu'est-ce que vous avez déjà qui vous permettra d'être un bon YouTuber? Et deuxième question, qu'est-ce qu'il vous manque? En ce qui concerne le matériel, vous n'avez pas vraiment besoin des meilleures caméras, des meilleurs micros au monde. Vous pouvez juste commencer avec votre téléphone portable. Car de nos jours, les téléphones portables sont de plus en plus perfectionnés. Les caméras sont superbes. Il y a des téléphones portables qui ont des super caméras, des super micros. Donc vous pouvez juste vous acheter un trépied pour téléphone portable, pour tenir le téléphone portable arrêté et pouvoir vous filmer avec. Vous pouvez même tout faire avec le téléphone portable, filmer la vidéo, faire le montage de la vidéo et même publier la vidéo avec votre téléphone
téléphone portable. Je ferai bientôt une vidéo à ce sujet, donc restez branchés. Et franchement, selon moi, le plus important, ce n'est pas l'équipement que tu as, c'est de savoir utiliser ton équipement. Je prends exemple encore sur moi. Vous avez sûrement remarqué, mais depuis ma première vidéo jusqu'à cette vidéo-là, il y a une très très grande différence dans la qualité de la vidéo. Mais laissez-moi vous dire, c'est toujours la même caméra que j'utilise et c'est toujours le même micro que j'utilise. C'est toujours les mêmes lumières aussi que j'utilise. Ça m'a juste pris quelques temps pour pouvoir apprendre à utiliser mon matériel. Je n'ai pas payé de nouveau matériel, c'est toujours le même matériel. J'ai juste pris du temps à apprendre à utiliser ce matériel-là. Depuis ma première vidéo jusqu'à maintenant, tout ce qui a changé, c'est le trépied. Parce que j'avais pas de trépied pour mon microphone et beaucoup de personnes se plaignaient sur le fait que mon micro bougeait trop, ça faisait trop de bruit, donc j'ai dû chercher un trépied pour le microphone et aussi mon ordinateur. J'ai un nouvel ordinateur maintenant qui me permet d'exporter les vidéos beaucoup plus rapidement. Pour vous dire, l'ancien ordinateur, il était trop lent. Il prenait jusqu'à 8 heures de temps pour exporter une seule vidéo. Alors que mon nouvel ordinateur, il prend à peine 10 minutes, tu vois. Un truc aussi très important sur YouTube, c'est d'être consistant. Donc essayez de vous créer un programme de soit une à deux vidéos par semaine et essayez de respecter ce programme là, car ça va vous aider à vous démarquer des autres plus rapidement et plus facilement, parce que l'algorithme de YouTube va enregistrer les jours auxquels vous postez plus souvent et donc ces jours là il va promouvoir votre contenu beaucoup plus. Et aussi votre audience, elle aura un repère, elle saura quel jour vous postez et donc ces jours là ils seront à l'attente d'une vidéo. Donc les jours où vous posterez des vidéos, vous aurez beaucoup plus de vues. Donc essayez de vous créer un programme et essayez de le respecter. Vous pouvez commencer par une vidéo par semaine et après vous augmentez par deux vidéos, mais ne commencez pas tout de suite 5 vidéos par semaine. Croyez-moi, vous allez vous fatiguer très rapidement. Et YouTube, c'est pas pour se fatiguer, c'est pour se faire de l'argent, certes, mais quand tu commences, essaie de te ménager. Ok, donc pour terminer, le conseil que je peux vous donner lorsque vous débutez pour pouvoir prendre les abonnés et les vues plus rapidement, concentrez-vous sur les mots-clés, parce que les mots-clés YouTube, ils sont très importants comme je vous ai dit et ils vont vous servir à vous ramener les premiers vues. Donc concentrez-vous sur les mots-clés, faites beaucoup de recherches sur vos mots-clés, essayez de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, essayez ça sur plusieurs de vos vidéos et à la fin vous verrez les mots-clés qui marchent le plus et qui vous ramènent le plus de vues et restez avec ces mots-clés là. Donc c'est très important la recherche des mots-clés. Moi par exemple, j'ai un outil que j'utilise pour pouvoir trouver les mots-clés. Je vais vous montrer cet outil là. Sur cet outil là, il s'appelle Keywords Everywhere. C'est une extension pour Google Chrome. Donc si tu as un ordinateur et que tu as le navigateur Google Chrome, tu peux juste installer cette extension là. Et comment cet outil là il fonctionne, laissez-moi vous montrer. Par exemple, si je vais sur YouTube et disons par exemple que moi ma niche c'est bricolage, tu vois, disons que je cherche des mots clés pour ma niche, ce que je vais faire, je vais aller sur YouTube et je vais écrire bricolage. Et ce que je vais faire, je vais chercher une vidéo qui a fait disons des millions de vues, tu vois. Disons cette vidéo là elle a fait 950 000 vues, tu vois. Et ce qui va se passer, c'est que grâce à mon outil, je pourrais voir quels sont les mots clés que cette vidéo là utilise pour pouvoir avoir tous ces millions de vues là. Et voici les mots clés de la vidéo: brico sympa, fait maison, bricolage, astuces, tu vois. Donc ce sont les mots clés qui sont juste ici là que cet utilisateur a utilisé pour pouvoir avoir des millions de vues. Donc ce que je vais faire, je vais juste m'inspirer de ces mots clés là et prendre quelques de ces mots clés et les utiliser sur ma chaîne et voir si ça marche. Et si ça marche, que ça me ramène des vues, alors j'utilise ces mots clés là sur plusieurs de mes vidéos. C'est exactement cette technique là que j'ai utilisée pour pouvoir avoir mes premières vues sur YouTube. Donc vous pouvez aussi utiliser cette technique là à votre avantage. Et aussi un autre truc que vous pouvez faire, que j'ai fait personnellement, qui marche aussi beaucoup beaucoup en Afrique, c'est partager vos vidéos sur WhatsApp à vos amis et dites-leur de les mettre soit en statut, soit de les partager à d'autres amis. Aussi partager vos vidéos sur Facebook, dans les groupes Facebook, c'est très important. N'ayez pas honte de partager vos vidéos parce que ça vous permettra aussi d'avoir vos premières vues et vos premiers abonnés. So, n'ayez pas honte de l'avis des autres, des critiques des autres sur vos vidéos. Franchement, dans la vie, ce sont les critiques qui nous font avancer. Donc n'ayez pas honte des critiques. Lorsqu'on critiquera ton travail, tu sauras au moins qu'est-ce qui ne va pas et tu pourras améliorer ça. Donc si tu n'as pas de critiques, tu ne sais pas ce qui va pas et tu continues à faire quelque chose qui n'est pas bien et ça te mènera à rien. Donc n'ayez pas peur des critiques, partagez ça à vos amis, à vos contacts et ça vous permettra d'avoir vos premières vues et vos premiers abonnés.